اليوم هذا يتحول في الاقتصاد الرقمي. هذه مثال من الأمثلة نتاع كيفاش الاقتصاد الرقمي ينجم يلبي رغبة الشباب. C'est Tunisie Passion, l'application mobile qu'on lance aujourd'hui pour faire quelque part découvrir, voire redécouvrir notre Tunisie. Notre Tunisie qui est riche par ses femmes et ses hommes, riche par son patrimoine historique et culturel, par la beauté de ses sites naturels. Finalement, une Tunisie tout autre, que l'on oublie parfois, souvent, belle, authentique, surprenante. Une Tunisie une et unique. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui pour la Tunisie, pour sa culture, son histoire, la beauté de ses sites, sans l'hospitalité légendaire, amoureux que nous sommes tous de ce pays magnifique. J'invite maintenant M. Didier Charvet, je suis sûre qu'il a tellement de choses à nous faire partager. Pour le lancement, en partenariat avec le ministère de la Culture et avec la Fondation Orange, du premier guide numérique de visite du musée du Parlement. Ce guide de visite numérique avait pour but d'accompagner, d'encourager les visiteurs dans la visite de cet extraordinaire musée. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer une application Tunisie Passion pour la promotion du tourisme culturel en Tunisie. Et cette application, je le souhaite très vivement, encouragera et accompagnera le visiteur dans sa visite de cet extraordinaire pays. Nous nous retrouvons une nouvelle fois afin de promouvoir la culture, plus précisément le tourisme culturel en Tunisie. Orange Tunisie est pleinement dans son rôle ici, c'est-à-dire de promouvoir l'usage des technologies, de promouvoir l'usage de l'innovation pour soutenir la culture, montrer l'usage et l'utilisation de cette application. Et j'espère qu'elle vous convaincra de visiter ces sites de la Tunisie et de découvrir ses richesses. Aujourd'hui, j'ai aussi une pensée pour les femmes et les hommes qui ont été assassinés il y a quelques mois dans ce musée. Notre rencontre d'aujourd'hui pour le lancement de ce projet pilote intitulé Tunisie Passion en est une phase. Nous tenons à remercier Oran d'avoir fait ce choix pour cet investissement qui est en parfaite cohérence avec notre stratégie digitale et tourisme. Ce partenariat entre le public et le privé est un témoignage de la manière avec laquelle nous souhaitons opérer afin de promouvoir l'innovation dans le secteur du tourisme. Nous sommes engagés dans une démarche responsable, citoyenne et solidaire à travers une multitude de projets au cours de cette année. Une innovation sur une application complète, dont nous avons rassemblé tous les ingrédients nécessaires pour mettre en avant des atouts historiques, culturels, architecturaux de Tunisie. Cette application que vous allez découvrir est un exemple d'une brique dans les solutions qui peuvent être une brique des solutions pour notre jeunesse. Chaque famille tunisienne sera connectée par un Internet haut débit. Toutes les 2,7 millions de familles tunisiennes seront connectées par haut débit d'ici 2020. C'est une promesse du gouvernement. Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'éducation supérieure, ainsi que le ministre de l'Éducation et moi-même, nous nous sommes fixés un objectif. C'est que toutes nos écoles primaires, secondaires et universités seront
change management et le change management qui est fait. Troisième objectif, c'est que l'administration. L'administration, le gouvernement et le gouvernement sera un gouvernement sans papier d'ici 2020. Et ça, c'est une promesse du gouvernement. Et ça, ce serait la chose la plus difficile. Et ça, ce que je dirais, c'est l'infrastructure légale, l'infrastructure de transparence. Cette manifestation aujourd'hui, pour savoir tous réunis. Alors, moi je suis venu parce que d'abord je crois à ce qui a été fait. C'est très important de commencer à promouvoir la culture tunisienne, les sites historiques tunisiens, le patrimoine tunisien et le tourisme tunisien sur des supports numériques multimédia. Aujourd'hui, nous avons quelques 70 000 étudiants par an qui sont diplômés. Beaucoup d'entre eux, probablement 15%, sont formés dans les technologies numériques. Mais là, nous sommes aujourd'hui pas uniquement dans le domaine de la technologie numérique, nous sommes dans l'industrie du contenu, qui dépasse de loin le numérique, qui touche aux aspects culturels, aux aspects sociaux, à l'art, au design. Et donc, tous nos diplômés trouvent leur place aujourd'hui dans le développement de la technologie numérique et dans l'industrie du contenu. En ce moment, après l'application qui a été faite sur Bordeaux, nous avons une deuxième application qui fait donc de la culture au cœur de l'activité touristique. Je pense que nous devons remercier Orange pour cette action, de cette mise en tourisme adéquate, parce que le musée, les collections, les sites, on a une richesse importante, mais il y a toujours un problème de communication sur ces lieux. Possible. D'abord parce que Orange est en Tunisie, le veut d'être pour le long terme. Orange aime la Tunisie. La Tunisie a connu des heures difficiles. Et dans les heures difficiles, il faut savoir compter aussi ses amis. On en fait partie. Je voulais être là symboliquement ce soir aussi pour cela. Et puis aussi parce que cette application, elle incarne, je crois, tout ce que le digital peut apporter à l'économie en général, au tourisme en particulier. Je vous engage vraiment à la regarder, elle est magnifique. Les photos sont magnifiques. Et puis un dernier mot pour dire que le groupe Orange a 240 millions de clients dans le monde. Donc nous allons maintenant essayer de faire connaître cette application, de la diffuser le plus possible. Et ma foi, s'il y a les 10% de nos clients qui viennent en vacances en Tunisie, bien, je pense que ça. Ce projet trouve son origine dans une idée simple, essayer de créer un vecteur technologique pour la promotion du tourisme de la Tunisie. À ce titre, je tiens sincèrement à remercier tous les participants, tous les talents, tous les ingénieurs qui ont participé à la fabrication de cette application, tous les contributeurs et également tous les partenaires institutionnels qui nous ont aidés pour fabriquer cette application. Oui, c'est vrai que notre volonté, on est un opérateur industriel, on est un groupe, on ne fait que ça, c'est notre métier, c'est les télécoms. On n'est pas un groupe financier. Et donc, quand on a une opération de télécom quelque part, notre vocation, évidemment, c'est à terme de la consolider dans notre groupe. Ensuite, chaque pays a sa situation différente. Au Maroc, on a des partenaires depuis 4 ans dans le deuxième opérateur marocain. Ces accords prévoyaient pour nous la possibilité de monter au capital. Nous allons l'exercer. Ça se fait dans le respect de nos accords. Et encore une fois, c'est la logique du groupe industriel. La Tunisie est une autre situation. On a aussi un partenaire qui a été un partenaire loyal, efficace. Et on souhaite conserver ce partenariat. Il se peut qu'il y ait une évolution dans le capital d'Orange Tunisie. C'est trop tôt pour en parler. Mais encore une fois, notre volonté à nous, c'est d'être un groupe opérateur de télécommunications. Ce qu'on veut, c'est pouvoir apporter tout ce qu'on sait faire, je crois, le savoir-faire, la technologie, la capacité à investir. On parle de la 4G, j'ai parlé de la 4G avec M. le ministre. Aujourd'hui, nous, on la déploie concrètement la 4G dans beaucoup de pays. On a déjà près de 10 000 antennes en France, donc c'est des technologies qu'on maîtrise.
C'est tout ça qu'on veut apporter en Tunisie. Et donc, notre vocation est d'être... de consolider toutes les opérations que nous avons, y compris, bien sûr, ici en Tunisie. Mais ça n'est pas un sujet aujourd'hui à l'ordre du jour. Il n'y a pas de discussion dans ce sens. Et on est très heureux du partenariat que nous avons aujourd'hui. Dans le ministère, c'est un géopolitif. On a un géopolitif. الكلام هذايا قالوه 60 سنة التالي وقت اللي بورقيبة قرر باش يدخل المدارس لكل قرية تونسية قالوا له يا اخي ما تراش اللي الناس بالاحسن نمشي تسبح بالبقر ولا الناس بالاحسن تمشي تخدم في تفلح على روحها في عود تمشي تتعلم اش مش يجيب لنا التعليم احنا اليوم في نفس الفتره في نفس الفتره هذيا اللي توا التعليم نتاع القرن 21 هو الانترنت والانترنت او دي بي باش كل تلميذ ينجم يقرا بالسرعه اللي يحب عليها وبالسرعه اللي ينجم وتكون في عندنا تكافؤ الفرص على خاطر اذا تونس شدت صحيح في ال 50 ولا 60 سنه التالي على خاطر اكل لافيستيسمون في التربيه وفي التعليم احنا توا التربيه والتعليم ومدرسه المستقبل هو الانترنت لكن المحتوى اللي في الانترنت والمحتوى اللي في الانترنت اليوم شفتوا بال l'application نتاع اورانج تونيزي باسيون هذيا توري المحتوى لو كونتوني اللي هو اللي مش ينجم يبيع وهو اللي مش ينجم يتباع بارتو في العالم وينجم يجيب لك السياح وينجم يجيب لك المستثمرين وينجم يجيب لك برشا حاجات